Le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan, en compagnie des ministres Patrick Hachi, Jean-Claude Brou et Bruno Nabagné-Koné, sont à Tingrilla. Il s'agit de donner le premier coup de pioche des travaux de bitumage de l'axe Bolona-Tingrilla jusqu'à la frontière du Mali. Pour le ministre des Infrastructures économiques, Patrick Hachi, la réalisation de ce projet est le fruit des nombreux voyages du chef de l'État à la recherche de partenaires financiers pour soutenir la Côte d'Ivoire. Dans le cadre d'un de ses voyages à Jeddah, Son Excellence, Monsieur le Président de la République, a sollicité auprès de la Banque islamique de développement les financements pour les travaux à la fois de Boundiali-Odiené et de Bolona-Tingrilla pour achever ces travaux-là. Et ces financements ont été effectivement acquis par la Côte d'Ivoire. Bolona-Tingrilla, frontière du Mali, représente 42,476 km pour un financement conjoint Banque islamique de développement État de Côte d'Ivoire d'un montant de 15 100 431 433 francs CFA est salué par les populations. Monsieur le Premier ministre, à la faveur de sa visite en juin 2013, ici même, le président Addo l'avait promis et aujourd'hui vous êtes là devant nous pour la réalisation de la promesse. Nous avons toujours cru en lui et à l'ensemble de son gouvernement que vous dirigez de main de maître et croirons toujours en vous, car quand Addo dit, il le fait. La route procède de développement et avec l'acte que vous posez, c'est le développement qui pointe à Tingrilla car vous venez de rompre son isolement. À Tingrilla, Daniel Kablan-Duncan a réitéré la volonté du président de la République Alassane Ouattara d'apporter le développement partout en Côte d'Ivoire. Pour atteindre l'émergence à l'horizon 2020, nous devons investir plus de 4% de notre produit intérieur brut dans le secteur des infrastructures économiques, soit 500 milliards de francs CFA par an. Il convient de souligner qu'avant la fin de l'année 2015, de nombreux projets seront lancés ou inaugurés. Les missages pratiques travaillent et bousculent pour que les choses avancent. Les travaux de bitumage de l'axe Bolona-Tingrilla, frontière du Mali qui démarre, sont prévus pour s'achever le 30 avril 2016.